Bonjour, bienvenue dans le vidéoblog J'aime Chaoui. Aujourd'hui, le parc de la rivière Grand-Mère avec Jasmine Gagnon et l'abbé Martin. Bonjour, bienvenue dans le vidéoblog J'aime Chaoui. Aujourd'hui, je suis avec Jasmine Gagnon, une de mes amies aussi qui aime beaucoup la photo. On est venu dans le parc de la rivière Grand-Mère parce que tu as une place à nous présenter qui est remplie de graffitis. Oui, c'est plein de graffitis. Moi puis une de mes amies, on a déjà pris là. Puis ça donne quelque chose de vraiment original. Vraiment urbain, là, ouais. Comme on pourrait faire des photos de mode. Oui, ça fait... Ça, tu fais un peu de contraste, là. Tu mets quelque chose de plus straight, là. Puis avec les graffitis, ça fait totalement un changement. Ah, fait que t'as eu bien du fun. Ouais. Je pense que le parc de la rivière Grand-Mère, tu le connais bien parce que ton père, qui est Alain Gagnon, un bassiste du coin, a joué souvent ici. Oui, il a joué souvent ici depuis que je suis petite. Il a souvent joué à Saint-Jean-Baptiste. Je viens aussi souvent avec des enfants. Il y a un parc, c'est amusant, ça détend un peu, là, c'est relax. J'aime bien ça. Fait que tu gardes des enfants, tu les amènes jouer ici parce qu'il y a des jeux? Oui, il y a les mobiles juste en arrière. Puis c'est tout nouveau en plus, c'est pas plein de sable, fait qu'ils viennent moins sales. Déjà, c'est pratique. Il y a des balançoires, puis il y en a quand même beaucoup, fait qu'on en a pour tout le monde, puis c'est plaisant. Ça, c'est un parc, là, le parc de la rivière, où il y a beaucoup d'événements. Bon, il y a la fameuse Saint-Jean-Baptiste à Grand-Mère, il y a eu d'autres festivals, mais c'est une place qui est comme un poumon aussi à Grand-Mère, hein, parce qu'on peut le longer, on suit le centre-ville, on peut venir en pleine nature, se rendre ailleurs, fait que c'est un endroit qui faudrait rehausser d'après toi ou rendre ça encore plus propre ou plus beau? Oui, je dirais plus propre, là, comme la rivière, c'est pas très propre. Peut-être qu'il y aurait un peu de nettoyage, ça ferait pas de tort. Là. Fait que Jasmine, nous, on va aller prendre du temps, on va aller dans ta place, on va aller faire des photos de toi avec le mur des graffitis. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Viens-t'en. Tantôt, c'est celui-là là-bas. Fait qu'on va se diriger vers là, puis on va faire les photos.
voulez vous baigner dans un endroit qui est fantastique et qui est vraiment pas loin, il y a la baie Martin dans le secteur Saint-Jean-des-Piles, au lac des Piles. C'est un endroit qui est fantastique. Bien aménagé ici, la baie Martin vous permet de faire du camping. Vous avez tout le nécessaire pour la baignade, c'est-à-dire une belle plage accompagnée d'un jeu pour les enfants, la sécurité, un endroit pour vous changer, ainsi qu'un endroit couvert pour aller faire un pique-nique. Donc un endroit familial plaisant pour tous. Complète le reportage d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment au parc de la rivière Grand-Mère et à la baie Martin au lac des Piles. Je voudrais remercier mes partenaires, la ville de Shawinigan ainsi que le CLD de Shawinigan, Desjardins, Tremblay Photo, Mauricie Toyota et Appartenance Mauricie. Bonne journée et à un prochain reportage.